Pareidolie, moi je suis une pareidolienne. Je vous explique ce que c'est la pareidolie. Souvenez-vous qu'enfant, le nez dans les nuages, vous cherchiez des visages dessinés par le vent. Parfois, un animal, joufflu et amical, vous faisait un clin d'œil dans le ciel gris et blanc. Qu'ils sont beaux les nuages dans nos regards d'enfant. Mais laissons passer le temps. Il arrive qu'adultes, tout en nous promenant, nous trouvions à nos pieds le jeu des personnages. Et là, c'est surprenant, une plage, un rivage ou un chemin de grève recèle des trésors. C'est un bois façonné, un caillou, une pierre avec un reflet d'or. L'adulte est devenu l'artiste qui s'empare en rêvant de ce morceau de bois, de ce morceau de soie. C'est là tout son talent. Son regard a trouvé dans la forme oubliée un monde magnifique. Il suffit de couleurs, d'ajouts de coquillages, de perles, de dentelles, de reflets féeriques, et c'est l'œuvre qui naît tout en délicatesse. Un enfant se blottit dans les bras de sa mère. Des vies douces et belles se donnent leur tendresse. Un chat ventru regarde les étoiles. Les formes se caressent. Des créatures se cachent. Et nous, nous surprenons à ce jeu de cache-cache. Gardons au fond des yeux le même étonnement que nous avions enfant. Et souvenez-vous des nuages blancs. Vous cherchiez des visages dessinés. Merci beaucoup.